The first opportunity for Puerto Rico was a good one, and it was difficult during a few minutes. We rectified some different points, tactical points, during halftime. It was better, but it's never easy. It's different. We have a lot of professional players. It's totally different. You have to play on an artificial pitch with hot weather against a good opponent. So there are a lot of parameters to take, and I'm really happy with the victory. And the plus three for the goal average, it's also important for us. And my striker score. So. Pour la page Facebook de la Fédération haïtienne de football, et quelle est votre analyse du match, coach, battu 1-0 à la mi-temps, le réveil pour finalement remporter le match 4-1? Quelle est votre analyse? Alors, je vais rectifier, nous n'étions pas battus 1-0 à la mi-temps, nous étions menés. C'est l'histoire du foot, l'histoire des matchs. Tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, il y a toujours des opportunités, il peut se passer beaucoup de choses en foot. Et j'avais confiance en mes garçons. On a stoppé une spirale négative au mois de juin, puisqu'on n'avait pas gagné depuis plus d'un an. Voilà, il y a encore des petits manques au niveau de la confiance, mais progressivement, j'y vois beaucoup de positifs. Aujourd'hui, on a scoré 4 fois. On aurait presque pu scorer ces 4 buts en première mi-temps si on avait été un petit peu plus efficace, mais souvent, l'efficacité marche avec la confiance. Voilà, il faut simplement qu'on la retrouve. Maintenant, il ne faut pas confondre l'ennemi de la confiance, c'est la suffisance. Donc, il faudra faire attention dans 3 jours. On aura un autre adversaire et il ne faudra pas faire preuve de suffisance. Il faudra être efficace et avec l'objectif de prendre les 3 points de manière à très, très bien se positionner dans cette compétition. Et très fier des garçons. C'était pas facile de venir à Porto Rico, de repartir avec les 3 points. C'est une équipe qui travaille plutôt bien depuis quelques mois. On le savait, ils nous l'ont montré à la moindre opportunité qu'ils ont pu saisir. Ils ont ouvert le score. Voilà, mais fier de mes garçons. C'est une victoire, je pense, enfin un match qui va nous servir pour le futur. Ouais. Une question pour Pierrot. Et vous avez buté à plusieurs reprises sur le gardien. Est-ce que vous avez confiance que vous avez marqué quand même dans le match? Oui, j'ai toujours confiance que vous avez marqué quand même. Que la première opportunité de gagner, le gardien fait un bon arrêt, mais aussi vous avez fait mieux. Mais après, comme on est attaquant, des fois raté, mais après, il faut élever pour dire que la prochaine chance que je gagne. M'a marqué ça, moi-même pas jamais inquiété, même si des occasions qui m'ont raté, je connais que m'a eu une opportunité, c'est de continuer de travailler. Le plus difficile en football reste de se procurer les occasions. Après, il faut les mettre, mais le côté positif, c'est qu'il s'en est procuré pas mal, il a ouvert pas mal de brèches, donc c'est aussi ça qu'il faut retenir sur cette rencontre concernant en tout cas Fontaine. Merci.